Et bonjour à tous et à toutes, et c'est on va se retrouver sur Swator. Donc on va aller faire la suite et on va aller voir ça. Alors, pom-pom-pom. Ouais, il commence à avoir un peu plus de gueule hein, par rapport à avant. Hein. Alors, pom-pom-pom. On se connecte à lui. Donc ne jamais faire confiance à Hutt. Nemron n'a jamais eu l'intention de sponsoriser Conan Gold lors de la Grande Traque. Le Hutt a en effet déjà accordé le privilège à un autre. Où il a défoncé sa gueule et on a pris son coupon. Malheureusement, ce chasseur. Il est désormais l'unique obstacle séparant Conan Gold de la Grande Traque. Après avoir convaincu Conan Gold de le laisser l'accompagner jusqu'à la fin, Mako lui a révélé l'identité de ce nouveau chasseur de primes concurrents. Maintenant, Mako et Conan Gold sont à la recherche du Trandoshan rare ce qui leur fera gagner leur billet d'entrée à la Grande Traque. Il me semble qu'on l'avait laté, non? On l'avait laté, mais on n'avait pas rendu la quête de mémoire. Donc, attendez, je mets mon timer ailleurs parce que du coup. On va taper là. Parce que du coup, comme j'ai modifié l'interface, le timer, bah, j'avais oublié de le remettre, donc voilà. Alors, pom-pom-pom, rejoindre Nemro. On va regarder s'il y a rien d'autre dans les parages. Il y avait ça à faire quand même. À la limite, on va le faire au passage, donc à droite. Par là. C'est parti. Elle s'est remise en ailleurs. Ah non. Je sais pas, c'est bizarre. Ta 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 ta. Mourez. Je te loot ta gueule, hop. On a rien vu. C'est par là ou c'est encore plus loin? C'est à droite par là. Donc, 3, 4. Boum. Tu meurs, c'est tout. Tain, 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 tain. Meurs, c'est tout. Ensuite, ouais, c'est bien par là. J'ai même pas le temps de faire mon cycle complet, c'est quoi cette arnaque? Allez hop, on prend le suivant. Ok, les trois caloutes. Bleh. Cette violence. C'est de par là que je dis pas de conneries. Ouais, c'est un peu vers la gauche. En fait, c'est au bout de ce chemin-ci. Dégâts tout ce qu'il y a sur le chemin.
pas de vouloir, voilà. Allez. Faut ouvrir la cellule de machin qui se trouve au niveau 2. Direct. Pourtant, on l'avait déjà fait. C'est pas ici, c'est en bas. The fuck. C'est donc pas par là, c'est par là à gauche. Eh ma core, ramène ta fraise. On va faire des choses à l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui a débarrassé tout le chemin. Pas un homme de fatras, je le sais. C'est Craig qui vous envoie, c'est bien ça? C'est ça. Comment comptez-vous me faire sortir? Je ne peux pas me balader avec ce collier d'esclaves autour du cou. Si je sors de la zone de sécurité, l'électrocution me fera perdre connaissance. Ou pire. Attendez-vous, je sais comment régler le problème. Je sais comment régler le problème. Craig m'a donné un gadget pour désactiver le collier. Vous pouvez neutraliser les colliers d'esclaves? Génial! Libérez les autres! Je suis pas payé pour les Ces autres. Ces pauvres gens se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Fatra veut les faire mourir à la tâche. Ils ont assez de force pour s'enfuir. Il faut seulement désactiver leur collier d'esclaves. Je suis pas payé pour ça. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Alors c'est comme ça. Très bien. Je ne partirai pas tant que vous ne libérez pas les autres. Je te bute à moi. Si les gardes découvrent que je me suis enfui, ils tortureront les autres jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne peux pas les laisser faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est désactiver les autres colliers d'esclaves. Mes amis s'enfuiront quand les gardes ne regarderont pas. Ok, tout le monde va retrouver la liberté ou trop compliqué de tuer. Trop compliqué. On m'a donné la possibilité de vous tuer. J'en profite. Monstre sans cœur. Ouais. J'ai une mission, je l'ai fait. Ensuite, on va rejoindre Cray. Allez, ramène ta pomme. Oui. Allez, remonte. J'ai quand même hâte d'affronter des boss bien épiques. Oh, il y en avait 3. Ah. Pas en plein, là, ça fait des crédits. Je veux combien de crédits d'ailleurs? 6000. Bon, ça. Dèche-le. Bon. Allez, on sort. Vous êtes s'y mettre sérieusement. Ok, c'est parti. T'as fait de ces trous dans le sol, la meuf. Allez, hop. On sort de là et on va y rendre tout ça. Où est-ce qu'on doit rendre tout ça? Là, il y a Cray sur le chemin. On y va.
Hop, du bashing, c'est du bashing. Mais ça derrière et même où j'accroche à l'histoire quand même. Alors, il est là derrière le mec. Ah, j'ai un email. Ziam sur Corriban. J'ai appris que c'est à vous que nous devions l'arrivée d'une nouvelle recrue à l'Académie des Sept, un garçon appelé Ziam. J'en ai récemment fait mon élève et vous en remercie. Ziam est peu coopératif, stupide et insensible à ses dons. Il passe le plus de son temps à gèdre au sujet de son père, que vous avez assassiné. Il est bien piètre compagnie, mais la passion l'anime, ce qui lui confère un potentiel énorme au sein du côté obscur. L'Académie apprécie votre collaboration et souhaite vous récompenser comme il se doit. 37 crédits. Ah c'est cool, même sur la durée on en a des trucs. Bon du coup il est où l'autre torche? Là-dedans. Ah, la puce. Pas inattendu. Zeven manquera à Nemru. Mais tout a une fin, oui. C'est mon opinion. C'est le sort de tout un chacun. Le tout est de savoir quand. Oui, vérité inévitable. Espère un moment de ma mort éloigné dans le temps. Récompense comme promis. Guerre continue, mais finira peut-être plus tôt, grâce à vous. Au revoir. Ok, des crédits, des points d'expérience, des points de côté obscur. Je prends. Donc ça, ça me sert à rien. Ça, ça me sert à rien, ni à moi, ni à la meuf. Ça non plus, ça je peux pas lui offrir, ça je sais pas c'est quoi. Des modules d'eau sur bas le steak. Ça me donne un peu d'armure, ça m'enlève de la maîtrise par contre, mais elle ça passe. Donc ça va être pour Mako. C'était tout. Et ça me massacre mon inventaire. Bon, du coup, il me faut un vendeur. Là. On va vider un peu tout ça. C'est quoi ça? Ah, je peux dégager ça. Je peux dégager ça, 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 ça. Et ça. Hop, compacte-moi tout ça. Portez-vous bien. Du coup, on va réactiver les trucs. Les joueurs sont obtenus pendant 3 heures. Ouais, je peux l'activer. Avez-vous besoin de soins médicaux? C'est le truc là, je peux les voir d'eau aussi. Portez-vous bien. Ensuite, c'était quoi? C'était ça. C'est quoi ça m'en fait des boosts hein. Compact. Allez c'est parti. Donc ça ça dure 1 heure. Et ça ça dure 3 heures. Je sais pas si c'est 3 heures IG ou pas. J'ai cru que ce serait une partie de plaisir hein. Bon, si je devais voir Burnock et le Hunt. Alors Burnock il est là et Lunt il est là. Bon donc prends ta taxi. Hep taxi. Hop là. Moi je pourrais avoir mon speeder. Choisissez votre destination. Les ouais jusque là. C'est parti. Je devrais récupérer les usines d'un jour à l'autre. Ah ouais mais ça on l'avait vu. Dans tes rêves mon pote. Dans tes rêves. C'est ça. Dans ses rêves. Et du coup, Mako, je sais pas où est-ce qu'il l'a mis, là, dans sa poche. Aucune idée. Hop. Sûrement dans sa poche. Ah, on va dire ça. Elle s'est surpeut de ta fille.
C'est pratique. Alors, du coup, on va aller rendre la quête à Burnock. En même temps, on va prendre les compétences qu'on a eues au niveau 12. Parce qu'il y en a eu une Pléiade, j'ai vu. Allez, c'est parti. Oh là là, regardez qui est là. C'est vous qui avez sauvé mon ami Oren. Sans vous, cet homme serait encore accroché dans la salle des trophées de Fatra. Il a quelques égratignures, mais il s'en sort bien. J'ai fait ça pour l'argent. La récompense avait l'air bien. Eh bien, je vous remercie. Prenez vos crédits. Et je vais vous dire, dès qu'Oren aura retrouvé la vue, on vous invitera à boire un verre. Plusieurs verres. Moi, je te le dis. Ah ouais, il rigole zéro. Donc du coup... Elle veut pas utiliser ça, elle. Non. Mais bon, ça a un flag, il faut qu'on puisse des dégâts. Alors, du coup, ensuite, on va aller voir Nemro. Ah non, d'abord Zini. Tant qu'on est à côté. Servez-vous de mes astuces pour abattre de gros gibiers et toucher le pacton. Balayage de blaster. Tire des salves de blaster sur un ennemi de 8 cibles dans un rayon de 5 mètres autour de la zone ciblée. Ouais. Repousse et projectiles ennemis proches, les cibles à tête subissent. Ouais. Tire une électrofléchette qui affiche 64 à 85 points de dégâts énergétiques et étourdissent la cible pendant 4 secondes. Bon, c'est sale ça. Donc si j'ai bien compris, on va aller tester un peu ça. Pam 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 pam. Ah ouais, c'est le canard d'une zone en fait. Ok. Et ça augmente pas des masses à chaleur. Alors ça. S'y mettre sérieusement. Ok. Donc ça c'est un truc pour se sauver. Donc on va pouvoir foutre là la rigueur. Ensuite l'électrofléchette. Ah, faut être vachement prêt pour l'électrofléchette hein. Ça peut être bien pour paralyser gros ad ou si ça fonctionne sur les boss, ça peut être sympa même si ça m'étonnerait. Il parle pas de cible faible donc. C'est quoi ça? Ok. Donc à ça, ce serait 7. Il n'y a quasiment pas de store de CD. Ça fait 32 points de chaleur pour la durée. Mais c'est pas auto-ciblé en fait. Le problème c'est qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que je vais avoir 2000 trucs et... Enfin 2000 sorts et que je saurais pas les utiliser en fait. Genre ça ouais. Ouais ça fait quoi? Ça canalise? J'ai ressenti les cibles à chaleur utilisables hors combat. Ah c'est pour ça que je pensais. Ça permet de rendre de la vie. Faut vraiment que je trouve un moyen pour binder mes touches efficacement. Et je trouve un moyen de binder d'autres touches parce que... Genre là c'est bien mais c'est les mêmes raccourcis quoi. C'est pas dire que celui-là je peux mettre sur A2345 et après que celui-là en dessous je pourrais mettre AZ2RT etc quoi. Enfin c'est un peu chiant ça quand même.
C'est qu'il va falloir faire un choix à un moment donné dans ses sorts. Ou que j'active plusieurs barres d'action. Hop, je vais pas lui parler à elle. Je suis occupé, trésor. Ok. Allez, Nemro. Tu vas cracher d'autres sponsors. Nemro. Quand le Trandoshan reviendra, je... Ah, je vois que nous avons un nouveau candidat, finalement. C'est le cinglé qui m'a suivi avec son masque. Attrapez-le! Ah, la petite Mako, fougueuse. Je vous demande pardon d'avoir fait peur à votre jeune ami. Attends, Mako. Calme-toi un instant. On va peut-être comprendre. Ouais. Explication. Excusez-moi pour cette frayeur, jeune fille. Je poursuivais quelqu'un d'autre lorsqu'on s'est croisé. Je suis Grata. J'ai l'honneur de représenter la Grande Traque. J'enquête sur une éventuelle infraction commise par un certain Taro Blood. Bah quoi, à ton avis, vous êtes quelqu'un d'officiel, Taro Trich. Il a massacré mon équipe pour me chasser de la Grande Traque. Oui, je le sais déjà. Je regrette d'être arrivé trop tard pour intervenir. J'ai bien examiné votre holo enregistrement de sécurité, et j'ai assisté au meurtre de vos équipiers par les hommes de Taro. Bien qu'elle soit sournoise, cette attaque ne va pas techniquement à l'encontre des règles. À moins que Taro ne s'en prenne à un autre concurrent, on ne peut pas le punir. Je le punirai moi-même. Rien ne m'empêchera d'avoir ma vengeance. Comme vous voudrez. Mais sachez que Taro est protégé par les règles de la compétition, tout comme vous. Je vais continuer à surveiller de très près les activités de Taro. S'il enfreint les règles de la Grande Traque, des sanctions seront prises. Je suis resté là pour donner des instructions sur la Grande Traque à Rask, le Trandoshan. On dirait que ce n'est même plus nécessaire. Ce sont mes instructions maintenant. Vous pouvez me raconter tout ce que vous vouliez dire à Rask. Comme vous le dites. Mon compo vous revient, autrement dit, vous êtes le plus grand chasseur d'Uta. En effet, vous vous êtes montré digne de la Grande Traque. Mais la compétition ne fait que commencer. Vous allez vous mettre en route vers Dromunkas, la capitale de l'Empire. Voici vos passes navettes. Si Braden pouvait voir ça, maintenant au moins on peut venger son meurtre. Un peu, ouais. Taro Blood ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Je te le promets. Mako. T'es le meilleur. Ah, je sais que je suis le meilleur. Quand vous arriverez sur Dromunkas, contactez le maître tracker dans l'enclave mandalorienne. Il répondra à toutes vos questions sur la Grande Traque. Alors allons-y. Jusqu'au bout. C'est ça, partir à la Grande Traque et parler à tout le monde de Nemrolot. Content de partir, silence Nemro, rien n'est terminé Nemro. Ouais, rien n'est fini toi, Kota. Fini avec vous, Hot. J'en viendrai. Bonne chasse. Alors, donc du coup, on me donne un passe-navette, on me donne des bottes dégueulasses. Mais qui iront bien à Mako. Allez. Alors en dessous, donc on peut prendre une personnalisation de Mako. Ah ouais. Chut. Alors du coup on peut prendre quoi comme autre truc? La personnalisation de Mako. 3, 2. Ah je sais pas à quoi on peut faire un aperçu. Ah ouais. Apparemment c'est surtout la tête qui change. En noir, en blanche ou en chinoise. Chinoise, le gars va fermer pour moi. Alors, du coup, on doit ramener le corps d'Albea sur Dromunkas et prendre une navette pour la flotte impériale. Ok. Pop, pop, pom. Hop, on peut sortir de là. On peut faire modification d'objets ici. Là, on a Dromunkas. Et on a les trucs héroïques. Alors, les trucs héroïques, je peux peut-être les faire maintenant que je suis niveau quasiment max. Donc, on va aller taper ici la modification d'objets. Et après on arrêtera la vidéo à ce niveau là, comme ça dans la prochaine je pourrai faire tout ce qui est donjon etc. Vu que je suis niveau 13, là on me bride au niveau 12, donc ça veut dire que je suis déjà plus haut que pour la zone des départs.
Qu'est-ce qu'elle a, elle? À propos de toute la grande traque, merci. Ça aurait plu à Braden de devoir réussir. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je le fais plus pour toi que pour lui. C'est un très gentil mais énorme mensonge. La grande traque, c'était le rêve de Braden. Ça faisait des années qu'il en parlait. Le jour où il m'a parlé de toi, j'aurais dû le voir. Il souriait et riait tellement que j'avais l'impression que son visage allait se fendre en deux. J'ai eu de la chance qu'il me trouve. Tu es sûr que c'était Braden? Parfait au possible de travail. J'ai eu de la chance qu'il me trouve. C'est pas tous les jours qu'on peut participer à la grande traque. Gagner ce truc, ça aurait été plus important que la vengeance pour lui. Voilà, avec ce qu'on a, hein. Arrêtez de dire merci parce que tu commences à saisir l'idée. Passons à autre chose. Donc, Mako gagne pas d'expérience et de l'influence. Accepté. Ok, je suis pas sûr que ça change, mais bon, admettons. Ouais. Je peux pas parler à celle-là. On se connaît. Apparemment non, je saurais toujours pas à quoi elle sert avant de quitter la planète, hein. Donc on va y voir pour la modification d'objet. Pom 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 pom. Alors lui il a deux trucs qui les suit. Des droïdes je sais pas quoi. Il est un joueur un peu plus HL ou alors qu'il a été chercher une autre classe, je ne sais pas. Alors il y a une quête ici, examiner les trucs de filtrage, il y a le truc ici de tâches. Là, il y a l'autre héroïque. On va d'abord aller voir le truc là d'histoire à droite. Donc par là. Pam 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 pam. Et ça se trouve. C'est ce truc là. C'est un objet pour commencer la modification. Ouais, admettons, on va prendre ça. Alors, on peut modifier, mais on pourrait faire avec. Je sais pas, ça. C'est pas où des cristaux, peut-être. C'est une gueule de cristaux. Non. Ajoute un emplacement. Kit d'amélioration de type 10. Ouais, ça demande 40 000 crédits. Ouais, bah, c'est pas pour maintenant. Hein. Ok, on va s'arrêter là. Donc ici c'était une vidéo sur Swator, donc on espère que vous aimez, que vous avez kiffé de la prochaine, la 5.6.1, je sais plus, vous aurez le bonus codex habituel. Et dans la suivante on attaquera les donjons et les trucs héroïques qu'il y a ici sur la planète, sûrement d'abord les trucs héroïques, et après on verra pour les donjons. Voilà, donc on espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé, et à plus tout le monde, et hop là.